Iran is threatening U.S. warships, as I understand it, Leland. Tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Hormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre. Donc, voyez-vous, on a une inclinaison sur, ou la déclinaison si vous voulez, mais l'inclinaison sur l'écliptique de 3,39 degrés. Si on va voir Jupiter, on va voir la planète, on va avoir son angle de 1,3 degrés. Donc, Jupiter est vraiment sur l'écliptique, mais Vénus peut varier. Si, par contre, on avait une variation à un endroit précis de la planète, je vais reprendre mon image ici que je vous ai montrée. Voyez-vous, ici, on a peut-être 10 degrés. Si je baisse l'angle, on va baisser l'angle, on a environ 4 degrés. Eh bien, si il avait fallu que, bon, que Vénus se retrouve à un moment où son angle était de 3,33 degrés à un endroit précis, parce que ça aussi, ça, il faut que l'angle soit parfait à 1 degré près pour qu'on ait un alignement. Et il faut que cet angle-là corresponde exactement à l'endroit dans le ciel vu de la Terre. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon idée, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une rareté dans ce qu'on peut voir ici, vu de la Terre. Et il faut que ce symbole-là, ici, qu'on voit dans les cieux, il faut un observateur vu à un certain endroit. Donc, le message doit être envoyé à la Babylone ou aux États-Unis, si vous voulez, vu des cieux, parce que c'est de cet endroit-là qu'on voit ces aliments-là se produire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très, très rare. Maintenant, un coup que cette explication-là est donnée, on va continuer avec celle-là, je peux le fermer, on le fait. Donc, le 6 juillet, c'est ça, deux jours après, toujours à la même heure, c'est ça qui est assez incroyable, on a Jupiter aligné avec Vénus et Bellatrix toujours, mais il y a une nouvelle planète qui s'est ajoutée et c'est Aldébaran qui est l'étoile qui est complètement dans l'œil du taureau. Et l'étoile Aldébaran, c'est l'étoile qui représente le taureau, c'est-à-dire que vous avez chacune des constellations a une étoile maître qui la représente, et dans le cas du taureau, c'est l'étoile Aldébaran. N'y a-t-il pas un plus grand signe ici que Jupiter et Vénus, ou si vous voulez, l'Éternel et Jésus, dans le symbole de la constellation du jugement et, par le feu, et aussi le taureau joue un rôle très important dans les derniers jours. C'est le jugement par le feu. Il a détruit la terre une fois avec l'eau, mais maintenant c'est avec le feu qu'il va le faire. Et ça passe par Aldébaran, qui est le signe du taureau, et qui passe directement par Bellatrix, encore une fois. Fait que ça, c'est un alignement, deux jours après. Et, voyez-vous ici, je grossis
grossir un peu plus l'image, vous voyez vraiment encore le fameux alignement. Et ici, ce que ça montre, c'est Washington avec les États-Unis, toujours le 6. Bon, ça, c'est la même chose, un peu plus de façon rapprochée. Et il y a un autre alignement maintenant qui se fait le 14 juillet, qui est très, très particulier. Vous voyez, la position des planètes, c'est un peu avancé parce qu'on est parti du 4 juillet au départ avec un alignement que je vous ai montré. Après ça, il y en a une autre le 6 juillet, qui est encore une ligne, et qui inclut maintenant Aldébaran, qui est l'étoile où j'ai mon curseur, ici dans l'œil du taureau. Et le 14 juillet, il y en a un autre qui est à venir. Je vous dis à venir parce que là, j'enregistre ces capsules-là le 7 juillet. Eh bien, je vais vous la montrer sans plus attendre, parce que c'est peut-être un peu abstrait, mais je vous la montre. Ici, bon, on voit de l'extérieur, on voit que le soleil est placé dans le Gémeaux, mais à l'épaule. Il est donc parti du 4 juillet en plein centre du Gémeaux. Il était ici, au niveau environ des organes reproducteurs des deux Gémeaux. Et il est monté jusqu'au bras droit du Gémeaux, ici, qui représente Pollux. Et donc le soleil est au bras droit de ce Gémeaux-là, ici, qui, dont la tête de l'étoile est Pollux, qui représente la nation d'Israël. Et les alignements, eh bien, c'est un alignement double ici, regardez-la bien. On voit un alignement possible entre la Lune qui arrive subitement dans le champ. Pouf, la Lune est arrivée le 14 juillet, en plein dans le cou du taureau. Et on peut passer une ligne centrale par le cœur de la Lune, Jupiter et directement le cœur du Soleil. C'est vraiment extraordinaire. Et l'autre alignement, eh bien, il y a eu un certain déplacement de Vénus plus prononcé que celui de Jupiter. Jupiter, c'est très, 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 très peu. La vitesse est très faible de Jupiter dans le ciel, mais Vénus est beaucoup plus prononcée. Et donc, il y a encore un alignement avec Atlas. On passe ici exactement dans le centre d'Atlas. Jupiter, Vénus, et on est passé de Bellatrix qui est ici à Betelgeuse. Betelgeuse, qui est, on va voir les significations de Betelgeuse et de Bellatrix bientôt, vous allez voir, tout va prendre son sens, ça corrobore, ça explique pourquoi que l'Église est impliquée, parce que à la fin des temps, on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle d'un jugement par Dieu, par son Fils Jésus, sur l'humanité, par le feu, la Bible est très claire que le jugement qui va venir est par le feu. Dans le temps de Noé, ça s'est fait par l'eau, mais Dieu dit « Je ne détruirai plus jamais la terre avec l'eau », mais il n'a pas dit qu'il ne la détruirait plus, il va la juger avec le feu et dans les derniers jours. Et le soleil, qui représente l'esprit, si vous voulez, de Satan. Et vous avez un double alignement ici, le 14. Donc, c'est comme une triple alignement. On a le 4 juillet, après ça, le 6 juillet, il y en a un autre, et quelques jours après, on en a un autre. Et les probabilités que juste une de ces alignements-là se fasse, c'est déjà quelque chose. Ce qui rend ça très significatif, c'est qu'on est dans le cycle que je vous ai montré, qui commence le 9 janvier, le 20 janvier 2009, au moment où Obama a été reçu comme dans ses fonctions de président, très très précisément le 20 janvier 2009. Et ce cycle-là se termine aux alentours du 21 décembre 2012. Et dans le milieu de ce cycle-là, on a eu le grand signe astronomique du chapitre 12 qui annonce l'Apocalypse, dans lequel j'ai fait la série La Femme, le Dragon et la Couronne. Et bref, que j'annonce l'imminence des guerres de la fin des temps, comme Isaïe 17-19. Ça, je vais en parler dans un chapitre différent bientôt, je l'espère. Bref, on a une note ici, on a donc un alignement qui s'est fait le 4 juillet, un le 6 et le 14, on a une double alignement. Paf, qui se produit dans le ciel. Ce coup-là, par contre, on l'a à 18h15. Cet alignement-là, c'est l'heure qui nous apparaissait la plus juste pour avoir le meilleur alignement de tout cet ensemble-là ici. Donc, Atlas, on a Atlas, Jupiter, Vénus et Betelgeuse d'une part, et un alignement entre la Lune, Jupiter et le Soleil au moment précis où la Lune se retrouve dans le cou du taureau. Et pour aller un peu plus en détail,
Beltelgeuse, ça veut dire le rameau qui vient. Et on voit dans Isaïe 11:1, puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et quel est ce rejeton? Eh bien, c'est Jésus, c'est lui qui est le rameau. On appelle donc Jésus le rameau qui vient dans la Bible, dans Isaïe 11:1. Et Beltelgeuse veut vraiment dire le rameau qui vient. C'est la signification du mot Beltelgeuse. Après ça, on a, si je regarde, on a évidemment, on appelle Beltelgeuse, aligné avec Vénus, Jupiter et Atlas. Atlas qui veut dire le porteur de fardeau. Et on voit ici Atlas qui porte le globe terrestre. Je vais le grossir un peu, l'image n'est pas tellement bonne, mais vous voyez une statue grecque avec le fardeau de transporter le monde sur ses épaules. Eh bien, évidemment, c'est le Seigneur qui a pris en charge toutes comment je pourrais dire ça, qui est à la tête de l'Église, et c'est lui qui a pris sur sa tête les péchés du monde. Et donc, c'est lui qui a pris tous les fardeaux du monde. Et il est la porte d'entrée des Pléiades, et les Pléiades, le mot Pléiade veut dire congrégation des juges. Congrégation, c'est un mot qui veut dire une assemblée.